Bonjour à toutes et à tous en ce mercredi 6 mars. Je reviens pour vous parler de deux lectures que j'ai faites sur le mois de février. Deux textes de deux auteurs, deux écrivaines françaises. Et puis également pour faire le point sur ma lecture en cours. Alors on commence tout de suite. J'ai lu au mois de février ce très très chouette roman « Une femme en contre-jour » de Gaëlle Josse. C'est un roman qui a été publié en 2019. Il fait 157 pages de mémoire. C'est donc un roman très très court que j'ai lu en deux soirs, il me semble. Et c'était ma première rencontre avec l'écrivaine française Gaëlle Josse, dont j'avais beaucoup beaucoup entendu parler. Alors, dans cette biographie romancée, Gaëlle Josse nous offre un portrait très sensible de la mystérieuse photographe franco-américaine Viviane Meyer, que l'on peut voir sur la couverture. Et elle va nous raconter son histoire de vie très originale et très mouvementée. La personne de Viviane Meyer et son œuvre photographique ont été découvertes totalement par hasard, quelques temps après son décès, en 2009 à Chicago. C'est un agent immobilier qui a retrouvé des cartons remplis de clichés et de pellicules, des cartons qui moisissaient au fond d'un box et qu'il avait acheté parce qu'il était à la recherche de photographies d'époque. Il va découvrir, cet agent immobilier, des milliers de clichés de personnes très très variées, vraiment énormément de portraits de gens anonymes, mais aussi des portraits de beaucoup de personnes de pauvres ou des laissés pour compte, des photos prises sur le vif, des portraits absolument magnifiques, très émouvants, dont il va tout de suite comprendre immédiatement en fait la valeur. Il va chercher à connaître l'auteur de ce travail, donc il va faire beaucoup, beaucoup de recherches et il va découvrir qu'il s'agit d'une certaine Suzanne Meyer, une femme complètement inconnue, une femme récemment décédée, une femme qui, il se renseigne sur sa vie et il va découvrir une femme très solitaire, à la vie très précaire, qui a été nounou pour gagner sa vie et aussi pour gagner de quoi se payer des pellicules parce qu'elle était fan de photos et elle se trimballait partout avec son appareil photo. Sa passion était de photographier la vie, les gens, que ce soit en Amérique ou lors de certains voyages qu'elle a pu faire grâce à un petit héritage qu'elle a eu à un moment de sa vie. On découvre une femme libre, taiseuse, qui recherchait beaucoup la solitude, une femme très pauvre qui a vécu dans des conditions parfois très misérables et qui a vécu la fin de sa vie, là pour le coup, vraiment dans la misère la plus totale. Et elle deviendra la star que l'on connaît tous bien après sa mort grâce à cet agent immobilier qui, on va pas se cacher, y a vu aussi l'occasion de se faire plein d'argent. Alors, avec beaucoup de délicatesse, Gaëlle Josse nous raconte la vie absolument fascinante de Viviane Meyer. Je connaissais bien sûr la photographe, je ne connaissais pas les détails de sa vie, donc c'était très très intéressant.
Elle nous raconte son enfance déplorable auprès d'une mère complètement irresponsable. Elle raconte l'appui qu'elle a pu avoir de sa grand-mère, une femme très forte qui avait émigré de la France vers les États-Unis au début du 19e siècle, hein, puisque Suzanne Meyer était franco-américaine. Elle nous raconte les séjours de Suzanne Meyer lorsqu'elle est venue parfois en France pour tenter de connaître sa famille qui vivait dans les Alpes, pour tenter de connaître ses racines. Et puis elle nous raconte aussi bien sa vie solitaire à New York et puis à Chicago où elle a terminé sa vie. C'était une femme étrange qui passait sa vie à sillonner la ville, avec les enfants qu'elle gardait. Elle les trimballait avec elle pour pouvoir faire plein de photos des exclus, notamment. Et une femme aussi qui, je l'ai déjà dit, je me répète, qui vécut une vieillesse vraiment miséreuse et qui ne devint pas clocharde grâce au merveilleux soutien de certains de ses enfants qu'elle a accompagnés, qui l'ont beaucoup soutenue au moment de sa vieillesse lorsque ses enfants sont devenus adultes. C'est vraiment le récit passionnant d'une femme introvertie qui n'a pas eu du tout une vie facile, mais qui aimait profondément la vie et qui passait son temps à la traquer avec son appareil photo. J'ai adoré ce roman. Alors globalement, je raffole des romans qui mettent en scène, de toute façon, des artistes, et là, vraiment, ça m'a beaucoup, beaucoup plu. La plume de Gaëlle Josse est simple, pleine de délicatesse, très fine, et j'ai vraiment envie de découvrir les autres romans de cette auteure française. Voilà pour Gaëlle Josse, une femme en contre-jour que j'avais trouvé d'occasion et en poche chez J'ai lu. Alors sinon, j'ai lu il y a 2 semaines, je crois, le tout dernier roman de l'auteure française Cécile Coulon, La langue des choses cachées. Dans ce roman, on va suivre un jeune guérisseur qui est appelé dans un village reculé auprès d'un enfant malade. Alors c'est sa première mission, sa mère qui lui a tout appris est désormais trop âgée pour partir sur les chemins lorsque la langue des choses cachées l'appelle. Donc cette mission revient cette fois-ci à son fils, c'est son initiation. Il va marcher de longues heures et il arrive de nuit dans un village perdu, tout en vieilles pierres. Le prêtre de ce village, qui l'attend, l'emmène au chevet d'un enfant très malade. Et tout de suite, le jeune guérisseur ressent qu'il s'est passé d'atroces choses dans cette maison et que le père, qui est assis au chevet de son fils, est un ignoble et violent personnage. Des scènes lui arrivent immédiatement à l'esprit. Alors le jeune guérisseur, il sait qu'il ne doit intervenir qu'auprès de la personne pour laquelle il est appelé, et il sait que c'est une chose extrêmement importante à respecter. Sa mère lui a vraiment mis ça comme quelque chose d'essentiel à respecter dans ses missions. Sauf que, durant cette mission, il va être sollicité pour intervenir sur un autre malade et qu'il va céder. Et il va ainsi se retrouver plongé dans les traumatismes de ce village. Alors, ce très court roman de 134 pages, c'est très très court, en plus c'est écrit très gros, les chapitres sont très courts, ça se lit très très vite, je l'ai lu je crois en une après-midi. C'est un roman à l'allure de conte gothique qui nous plonge dans un univers sombre et mystérieux grâce à bien la plume lyrique très forte et très belle de Cécile Coulon. Le mystère est amplifié par l'absence de repères temporels. C'est très bien fait, on pourrait être soit au Moyen-Âge, tout comme à notre époque, c'est vraiment très très... Ça renforce le mystère, hein, tout simplement. Et aussi, ce mystère est renforcé par le fait que les personnages ne sont pas nommés. On parle ici du fils, de la mère, du prêtre. Il n'y a jamais de prénom. Et puis, il y a également un grand mystère parce qu'il y a énormément de non-dits dans ce texte. L'ambiance très sombre, elle est majorée par les habitations en vieilles pierres un peu délabrées,
par les scènes qui sont toutes nocturnes, par les scènes de violence, terreur et horreur présentes et passées ressenties par le guérisseur. En plus, l'auteur, elle a rajouté dans ce récit une touche de fantastique avec des pouvoirs extrasensoriels de certains personnages ou certains déplacements fantastiques qui sont impossibles dans la vie réelle sur certains personnages. Ça, c'était assez intéressant, mais en même temps un peu, j'ai envie de dire, too much. Tout ceci, ça a créé un univers noir et fantasmagorique très original, très réussi, mais voilà, un peu trop en fait. Et en tout cas, moi, ça m'a un peu étouffée. Et puis l'histoire en elle-même, très simple et même un petit peu, ça l'a rendu aussi cet univers noir un peu confuse l'histoire et cette histoire qui avait du mal à apparaître, qui semblait un peu confuse, et bien du coup, ça m'a semblé vraiment en décalage par rapport au riche univers qu'avait créé l'auteur et ça m'a dérouté parce que j'en attendais plus à ce niveau. Je m'attendais à ce que ce soit beaucoup plus développé au niveau de l'histoire, surtout que quelques semaines auparavant, je m'étais vraiment régalée avec le très très chouette roman de l'auteur Seul en sa demeure dont j'avais parlé dans une précédente vidéo. Donc voilà, ce dernier roman de Cécile Coulon est une lecture plutôt mitigée pour moi, même si bien sûr j'ai apprécié de retrouver la très belle plume très inventive et l'univers gothique, étrange, très spécial que sait si bien construire l'auteur. Mais bon, pour moi, c'était pas un gros gros coup de cœur, quoi. J'ai aimé, mais sans plus. Voilà. Voilà pour Cécile Coulon, La langue des choses cachées, son dernier roman paru en janvier chez l'Iconoclaste. Sinon, je suis toujours dans la lecture du tout dernier roman de Barbara Kingsolver dont je vous parlais dans la précédente vidéo, et je me régale. Donc le titre c'est On m'appelle Damon Copperhead et c'est génial. Damon est un personnage super intéressant, un enfant qui a vécu la pire des enfances, mais qui a une force de vie immense, qui est intelligent, qui est résilient. Et au travers de l'histoire de ce jeune personnage, l'auteur nous plonge dans le monde contemporain de l'Amérique rurale. C'est absolument passionnant, c'est très bien écrit, à la fois grave et très rocambolesque et drôle. Bref, ça sent le coup de cœur. Alors c'est un gros gros pavé hein, de plus de 600 pages, avec une écriture très serrée et des chapitres assez longs. J'en suis aux deux tiers, on va dire. Oui. Et je dois absolument le terminer, c'est mon objectif de la semaine, de le terminer avant vendredi soir, parce que samedi, je pars en voyage pour 2 semaines et que c'est un gros pavé, il est hors de question, c'est trop lourd à transporter dans une valise. Donc je pense que je vais pouvoir réussir à le terminer d'ici vendredi. D'ailleurs, à ce sujet, donc je vais être absente 2 semaines, donc il n'y aura pas de vidéo avant la toute fin mars, voire début avril, je pense. Mais j'ai quand même dans l'idée peut-être de faire, si j'ai le temps, un mini point lecture de voyage pour vous dire un petit peu ce que j'ai lu, puis aussi histoire de vous faire profiter un petit peu de ce que je vois, vous faire un petit coucou du Japon, vous partager quelques images. Des lectures si je lis. Mais bon, je garantis rien. J'essaierai peut-être de faire quelque chose de très très simple. Je ne vous garantis rien. Voilà, parce que je compte vraiment profiter un maximum sur place, savourer chaque minute. Donc on verra bien si j'y arrive. J'aimerais bien, ça me ferait très plaisir de le faire. Ce sera un peu comme une surprise, on va dire. En tout cas, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à me dire si vous connaissez ces auteurs, Barbara Kingsolver, Cécile Coulon. Gaëlle Josse, j'aimerais, si vous connaissez Gaëlle Josse, je ne connais pas ses autres romans et si vous avez des recommandations, je suis très très preneuse. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite de très très belles lectures. À bientôt!